bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour parler d'un livre que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien, aussi complet, aussi motivant, aussi parlant. En fait, il s'agit du livre « Je suis une nana extraordinaire et j'assume ». C'est un guide psychomagique pour apprendre à s'aimer enfin. C'est aux éditions Erol, Lady Montmartre, c'est l'auteur, Lady Montmartre, c'est un pseudo. Et Lady Montmartre, elle nous a fait vraiment un condensé d'amour de soi, de bienveillance, de comment se dépasser pour retrouver de l'estime de soi, de la confiance en soi. Vraiment, ce livre, c'est un petit bijou. Il vaut 11,90€. C'est vraiment le genre de livre comme j'aime. Ça me fait penser un peu... c'est des petits trésors quoi, qui nous permettent vraiment d'avancer sur notre route et qui nous aident vraiment, vraiment littéralement à avancer. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est d'abord, elle a un côté très naturel, très bonne copine pour nous parler. Et puis surtout, il y a aussi des exercices. Et moi d'habitude, je vais être très honnête, moi d'habitude les exercices dans les livres, ça me saoule, mais... Le quart du temps, ça me saoule. Et là, l'approche est faite que ça me plaît. Au contraire, ça me plaît et ça me... Et j'ai eu envie de faire les petits exercices, etc. En fait, il y a un suivi de 21 jours. Sur 21 jours, en fait, il y a un petit exercice tous les jours. Et ça me fait écho à un livre de Louise Hay qui avait fait, je crois, d'ailleurs, 21 jours... pour s'aimer devant le miroir ou je sais plus quoi, je sais plus comment ça s'appelait, que j'avais bien apprécié mais qui était très dense, très lourd et même par jour il y avait trop d'écriture, trop de choses à faire, à réfléchir, c'était un peu lourd mais c'est un livre que pour autant j'avais beaucoup apprécié. Et là, celui-ci pour moi il est vraiment top. Donc en fait, il est marqué « Attention, DS à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Vous en avez marre d'être branché sur radio fréquence loose. Vous vous sentez souvent nul et pas à la hauteur. Vous voulez révéler la sublime DS qui sommeille en vous. Vous aspirez à vous épanouir et à rayonner enfin. Vous voulez briller et révéler votre potentiel. Alors lisez ou offrez ce livre et foncez sur la Love Road. C'est le début d'une magnifique histoire d'amour avec vous-même. Et en bonus, des pistes audio de méditation et de la relaxation, une happy playlist pour retrouver le sourire et le jeu de l'amour de soi, 21 jours d'exercice quotidien pour apprendre à vous aimer profondément. En fait, l'auteur, qui a donc ce pseudo Lady Montmartre, c'est une blogueuse et auteure du livre Je me trouve un mec, le bon. Lady Montmartre est une slasheuse épanouie dans sa deuxième vie. Elle est coach, conférencière, créatrice d'une méthode pour trouver sa voie, bricoleuse de meubles en palette, cultivatrice urbaine. Voilà, plein de cordes à son arc. Enfin bref, je ne sais plus comment quelle est la façon de dire. Bon, je suis pas bien réveillée en ce moment. Comme vous le savez, moi, je passe par une phase très très compliquée dont j'essaie de tenir le coup, de faire face. Donc ma maman est décédée à 63 ans, il y a exactement sensiblement un mois. Et ça a été quelque chose d'assez dramatique. Je ne vais pas en parler plus, enfin je ne vais pas en dire davantage, mais c'était très 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 compliqué. En tout cas, on l'a accompagnée dans son dernier souffle. Et c'était une battante hors norme. Vraiment, je ne sais pas, c'était une guerrière. C'était vraiment une personne hors norme. Quoi qu'il en soit, même voilà, si la situation est difficile, je voulais quand même reprendre un peu les vidéos parce que c'est aussi une façon... De sortir un peu de tout ça, de toute cette tristesse. Et voilà, et en plus là, en ce moment, je lis vraiment des super bouquins, donc j'ai vraiment envie de vous les partager. Parce que souvent, on cherche des bons livres et puis on ne trouve pas toujours, enfin... Bon, en tout cas, je ne pense pas trop m'avancer en disant que ce livre, vraiment, il est au top et il ne peut que vous faire du bien. Donc, voilà. Je suis une nana extraordinaire et j'assume. J'espère que je vous l'aurai fait découvrir. Est-ce que je peux vous dire autre chose? Peut-être que ma vidéo est un peu courte. Enfin, moi j'adore. Je peux vous dire grossièrement le sommaire. Ah non, il y a beaucoup trop de choses, mais
parce qu'en fait il est petit mais il est très très complet. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'on va vraiment à l'essentiel tout de suite. Il n'y a pas de blabla, de blabla, de blabla, voilà. La peur, alors par exemple, je prends au hasard, la peur de briller et de réussir. Qui suis-je pour briller? La peur de du retour de bâton. Si je m'aime et que je vais trop bien, cela va m'attirer les foudres. On attend tout de l'autre, on se victimise, on en fait 10 fois trop. On veut être la meilleure, on trahit sa personnalité, on se maltraite, on se compare. Attention aux réseaux sociaux. Victime de l'amour, les amitiés victimaires, la prise de conscience, miroir mon beau miroir. Enfin, franchement, c'est extrêmement complet, hein, extrêmement complet. Voilà, j'ai tout dit, je pense. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.